Good morgen, Aleida Nessus, aujourd'hui, le Lonishmat Chayester Bat Miriam, ainsi que l'Irfouat Olivier, Israël Shimon Ben Chayester, Chamchat Miriam Bat Ozena, Binyamin Ben Chibiba, Yinon Chay Ben Jessica, Shmuel Meir Ben Miriam, Serel, Betoch Sha'ar Chol Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah à contacter sa communauté éternelle, nous étions à Sechet Ruin, Perek Yud, Mishnah Yud Gimel. Mahazirin Retiya Bamigdash, Avalo Bamedina. Im Batechila, Kan Vekan Asur. Koshrin Nima Bamigdash, Avalo Bamedina. Im batechila, kan vekan asur. Chotchin yabelet bamigdash, aval lo bamedina. Veim bakeli, kan vekan asur. On continue maintenant, depuis maintenant trois mishnayot, à découvrir les permissions que Chachamim ont fait au Betamigdash, à la différence des Gvulin dans le reste du pays, où ils ont décrété tout en interdit. Au Betamigdash, ces interdits ne sont pas en vigueur, pour beaucoup de cas, comme ce qu'on va découvrir de manière générale. On va découvrir, il y aura un cas particulier, différent des deux autres cas qui vont suivre en fait. Et on commence par traduire. Marzirin retiya bamigdash. On a le droit de remettre un pansement au Bet Amigdash, avallo bamedina, mais pas dans les pays. Dans le pays, c'est-à-dire pas dans le reste, à l'extérieur du Bet Amigdash. Im batechila, si toutefois on veut le mettre pour la première fois, kan vekan asur, cette façon on interdira ici et là. Soit, tout d'abord, midrabanan, faut savoir, se soigner à Shabbat, c'est compliqué. C'est pas permis dans toutes les situations. Il y a plusieurs situations à considérer. Est-ce qu'on risque d'être alité ou pas d'être alité? Si on risque d'être alité, alors il y a plus de permission. Là, on parle de quelqu'un qui a une blessure sur le doigt, par exemple, qui va vouloir remettre une rétilla. Ou pas sur le doigt, plutôt sous les vêtements. D'abord, pour introduire, la Torah a insisté, Al Bessarou, je ne sais plus comment dit dans le Pasuk, et Ovavnet Bad, Itznof, et Oumichnesabadiou, Al Bessarou. Oumichnesabadiou, Al Bessarou, c'est dit comme ça sur les habits du Kohen. Du Kohen Gadol, qu'il faut que ce soit les vêtements al-Bessarou directement sur sa peau, sur son corps, qui n'est pas de chatzitsa, qui n'est rien qui ne fasse écran entre les vêtements qu'il porte et sa peau. D'accord? Du coup, s'il a un endroit où il a une blessure sur les vêtements, et qu'il a mis la main en pansement, alors il ne pourra pas faire la voda au Beth Amigdash avec ce pansement, il devra nécessairement l'enlever. D'accord? Et maintenant, il devrait nécessairement la retirer pour qu'il puisse avoir le vêtement sur lui. Maintenant, se soigner à Shabbat en mettant un pansement, ça pose problème. Quel est le problème qu'il y avait? On parle d'un pansement où on est allé sur le pansement, sur le bandage ou sur le pansement, on est allé des crèmes dessus. Du baume ou des crèmes, ce qu'ils avaient, des pommades. Le problème, il est que quoi? Il est que parfois, il va y avoir maintenant des trous, ça ne va pas être bien étalé, et puis il va machinalement le rendre lisse. Rendre lisse une surface en étant une crème à Shabbat, on interdit l'interdit de mémaréach, d'étaler une crème. Bien cela, on interdit la Torah. Du coup, on va interdire de mettre un pansement, on va commencer par la fin, la suite, qui va m'interdire de mettre un pansement pour la première fois, même si je n'étale pas la crème, de peur que je vais me mettre à étaler la crème sur le pansement. Pour l'étaler sur le corps, c'est toute une histoire, on ne va pas ouvrir le sujet, c'est très vaste comme sujet. Même étaler une crème à Shabbat, c'est pas évident de le faire. Il y a une certaine permission, si on étale une petite dose que ça va pénétrer entièrement, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Magan Avraham, Rav Ovadia, il rapporte ça, il y en a qui discutent sur cette permission. Là n'est pas notre sujet. D'accord? Je reviens. Donc, mettre le pansement à Shabbat, ça pose problème parce que de peur qu'on mette même arrière. Donc du coup, même au Beth Amigdash, qu'il y a un Cohen qui s'est blessé, on ne va pas lui permettre de mettre un pansement. Avec en étalant le baume. S'il a besoin de mettre un garrot pour arrêter le sang, il aura le droit de le faire peut-être. Mais en tout cas, pas d'étaler avec du baume. Maintenant, s'il avait un pansement depuis le début, alors il aura le droit de le retirer pour faire la voda et de le remettre ensuite. C'est la permission qu'il y a dans la Mishnah que Marzirin retire. On a le droit de remettre un pansement. Soit il retire le pansement, il le pose, et puis après il aura le droit de le remettre ensuite au Beth Amigdash, mais pas Bamedina. D'accord? Au Beth Amigdash, on lui fait une certaine permission. La permission, non, d'abord, avant, on va d'abord, après je préciserai la nature exacte de cette permission. Pour le moment, il y a une notion importante, c'est que malgré tout, Chachamim m'ont permis, tant que tu la retires pas et qu'elle tombe pas par terre, elle tombe pas sur une table, mais que tu la prends, tu la retires, et tu la remets directement sur ton doigt, même à l'extérieur du Beth Amigdash, c'est permis. Toute la question de notre Michal parle que quand tu vas l'enlever, tu vas la poser franchement, avec l'intention de ne pas la remettre tout de suite. Et la poser franchement. Sur ça, il y a la différence entre le Beth Amigdash et les Gvulin. La nature maintenant de la permission. Alors je vous ai dit, de manière générale, Chachamim n'ont pas maintenu les interdits au Beth Amigdash, mais uniquement parce qu'on concerne la voda, le service. Or, un Kohen ne fait pas partie du service. Soit, s'il faut permettre un korban, on va permettre des choses.
Mais le Kohen, il y a plein d'autres Kohanim qui peuvent servir. Malgré tout, Chachamim, d'accord, c'est pas Mishum Jevout, c'est pas qu'on a permis Jevout Bamigdash. J'insiste parce que le Rambam a expliqué que c'est Jevout Bamigdash. Je suis fidèle au Barthénora et au Tosot Yom Tov qui insiste bien, c'est pas Mlin. C'est pas, ça provient, cette permission ne provient pas à cause du Jevout Bamigdash, parce que là, il n'est pas question de permettre l'avoda du Bamigdash, parce qu'il y a plein de Kohanim qui peuvent servir, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est par rapport à ce Kohen. Puisqu'il avait initialement déjà le pansement sur lui, et qu'à cause de ça, le pauvre, il ne va plus faire la voda, alors on lui a fait une certaine mention s'il avait déjà là le pansement. D'accord? Et on continue le deuxième sujet de la Mishnah maintenant. On continue toujours avec le Bet Amigdash, avec à présent, Koshrin Nima Bamigdash Avalo Bamedina. On aura le droit d'attacher une Nima, c'est une fibre, une corde. En fait, on parle des instruments de musique du Bet Amigdash. Vous savez que lorsqu'on faisait un korban, il fallait nécessairement chanter. Il y avait un kinor de Lévin. Il y avait un. Et donc, il fallait. Maintenant, imaginez que une corde du violon, de la harpe, je ne sais pas c'est quoi exactement un kinor, est-ce que c'est une harpe ou un violon. En tout cas, la corde s'est craquée. Alors, la Mishnah me dit écoute, là, rattacher. Alors d'abord, on va faire un petit peu d'ordre. Si je faisais un nœud, un Kemcher Shalkayama, un vrai nœud que je ne vais plus jamais rouvrir, selon tous les avis, il y a un interdit de la Torah de refaire un nœud pareil. Et même au Betamikdash, je vais l'interdire de le faire. D'accord? Et c'est ce que la Mishnah me dit, il me bétrila comme avec un assour, si c'est pour la première fois, alors si c'est pour la première fois que je vais le remettre, alors ce sera interdit. Maintenant, si toutefois il y avait déjà la corde qui était déjà là, et elle a eu un problème, et je veux la rattacher, j'aurai le droit de lui faire un petit nœud, à condition que c'est un nœud qui est provisoire. Alors je ne sais pas concrètement, quand on fait un nœud sur une guitare, quel son ça va vous faire, mais là c'est pas le problème, apparemment ils avaient une technique de le faire, pour que ça continue à faire sortir un son quand même. Maintenant, la Mishnah me dit, bah écoute, tu as le droit, tu fais un nœud provisoire, mais pas un nœud fixe qui va rester pour tout le temps. Je te permets ça au Beth Amikdash, mais pas à Bamedina, pas à l'extérieur du Beth Amikdash, de peur que tu vas faire ensuite un nœud qui va rester pendant longtemps. Ok? Et du coup, le Barthénora nous précise, on parle uniquement lorsqu'elle est à partir de l'endroit où... à partir du où il y a les barrettes, ou je sais pas comment il était exactement, la harpe, ou... Mais pas sur la partie où on attache les cordes. Si on fait un nœud là-bas, ce sera interdit. Ok? Troisième sujet de la Mishnah. Chotrin yabelet bamigdash avallo bamedina. On a le droit de couper une verrue au Beth Amigdash avallo bamedina, mais pas au pays, soit pas à l'extérieur du Beth Amigdash. Veim bakli, et si tu veux la couper avec un ustensile, qu'un avec un assour, ce sera interdit dans tous les cas. On explique d'abord, il y a un interdit de gozez à Shabbat. Gozez, ça signifie, initialement, c'est tondre. De là, on déduit aussi tout ce qui est fixé sur le gouvernement d'un homme combat, d'un homme ou d'un animal. Tout ce que tu vas vouloir retirer, pardon, se couper les ongles, la Shabbat, se raser, couper un poil, arracher un poil. En transe, c'est interdit de gozez. Maintenant, pour les cheveux et les ongles, en transe, c'est interdit que si on coupe avec un ustensile. Si on coupe avec les dents, c'est une marloquette, mais on tient pour la halakha comme Rambam qu'il n'y a plus d'interdit de la Torah, juste midé rabbanan. Par contre, des choses que c'est l'usage de les retirer avec les doigts, alors, on transgressera un interdit de la Torah. Soit, alors là, il y a un bureau à la qui parle de ça, par exemple, c'est fréquent, lorsqu'on a des petites peaux sur les lèvres, on n'a pas le droit de les arracher. Et là, c'est pas l'usage de couper avec un ustensile. Donc, si tu les arraches avec les mains, tu transgresseras peut-être un interdit de la Torah et l'interdit de le faire. Même principe aussi, j'avais déjà approfondi le sujet, apparemment, celui qui pèle, il n'aura pas le droit de retirer la peau pendant Shabbat, à cause de ce même interdit de gozès. C'est possible que ce soit par un cas d'interdit de Rabbanan, on ne va pas entrer dans plus de détails. Mais je reviens par rapport à notre Mishnah. On parle ici d'une verrue qui se trouve sur un korban. La Torah nous a dit Averet o shavur o charutz o yabelet lotakrivu el Hashem. Un pasouk dans Vaikra, je ne sais plus quel parasha, si c'est les morts, que Kedoshim, je ne sais plus. La Torah me dit Averet o shavur, un aveugle ou un qui a une patte cassée ou même qui a une yabelet, un animal qui a une verrue, il est inapte à monter sur le korban, il n'est pas soul, il a un défaut, à cause des défauts. Mais on a la possibilité de permettre ce défaut en retirant cette verrue. Retirer la verrue dans Shabbat, à Shabbat, on est peut-être confronté à un interdit de la Torah. Du coup, si on la retire avec les mains, et qu'on parle d'une verrue qui est de toute façon sèche, pas une verrue qui est humide, je sais pas comment ça se dit en français, vous savez les petites verrues qui dépassent, qui sont un peu... d'accord, j'ai oublié le nom. Donc, j'en ai racheté une récemment en plus, mais on n'a pas le droit de la retirer pendant Shabbat. Mais si elle est séchée complètement, elle est de toute façon, elle n'est plus considérée comme vivante, comme faisant partie intégrante du corps, il n'y a plus d'interdit de la Torah de la détacher. Du coup, on va lui permettre de la retirer avec les doigts, au Beth Amikdash, mais pas à Bamedina.
Par contre, s'il veut la coupe avec un ustensile, ce sera interdit dans tous les cas de figure. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha. Kol Tov Salam.